Chemisane. LOL. MDR. Oh, le retour, sa mère. Dans ce nouveau Demon Slayer UHC, je vais rejouer le rôle le plus emblématique du jeu. Muzan, le chef des démons, qui sont les traîtres de ce loup-garou-like sur Minecraft. C'est le rôle le plus important du jeu, sans qui les traîtres ne peuvent pas trahir. Sauf que la partie ne va pas vraiment se passer comme prévu. Et c'est peut-être le plus gros record de kill de l'histoire du mode de jeu. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la partie la plus what the fuck de toute l'histoire. Et si vous voulez pas finir comme les Slayers dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça me ferait super plaisir. C'est parti, 21h03 pour cette troisième game de la journée, parce que ça fait 5 heures qu'on live déjà. Allez hop, bon, on va voir ce qu'on va être. Hier soir on a été Slayer, bon. Est-ce que ce soir on pourrait être un petit démon ou un rôle solo? Les rôles sont dans 30 minutes, 30 secondes. Quel rôle allons-nous être? Je suis Muzan. LOL. MDR. Oh, le retour, sa mère. Oh, le mumu qui fait plaisir. Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas été mumu. Muzan, c'est le rôle principal du mode de jeu. Si vous ne le connaissez pas, Demon Slayer UHC, c'est une sorte de loup-garou-like sur Minecraft. En gros, il y a des gentils et il y a des traîtres. Les gentils, ce sont les slayers, et les traîtres, ce sont les démons. Sauf que les traîtres, bah, ils se connaissent pas entre eux. Et il y a que moi, Muzan, qui a la liste entière de ces derniers. Et je vais donc pouvoir leur communiquer au fur et à mesure de la partie. Mais attention, car dans ces joueurs se trouve également un traître. Nezuko, c'est un gentil infiltré parmi nous. Et si je viens à la trouver et la tuer, je deviendrai alors absolument invincible. Avec des effets complètement pétés. Je peux aussi discuter avec mon allié principal, Kokushibo, qui sera mon brosseur de la game. Je peux booster le joueur de mon choix pour lui mettre force, et en général, on booste plutôt Kokushibo. Et dernièrement, je peux également infecter un joueur, afin de faire passer un Slayer du côté des démons. Mais ça, on verra un peu plus tard. Salut BG. Appelle-moi maître déjà pour commencer. Oh, déjà ! Kagaya, il a direct fait le pacte ! What ? Ah oui, d'accord, il rigole pas trop le Kagaya là. T'as fait la lame. J'ai l'âme de speed. Parfait. Ah oui, Kokushibo l'homme de speed, mais alors là... Ah mais là il va casser des bouches là, en fait. Je décide alors de booster mon Kokushibo, parce qu'il a pu crafter une lame de speed, ce qui devrait le rendre surpuissant en plus qu'il soit rapide. En plus de ça, Kagaya, le rôle principal des Slayers, a aussi fait son pacte instantanément, ce qui affiche son pseudo aux yeux de tous les démons. A partir de maintenant, si n'importe lequel des démons vient à tuer un pilier Slayer, à savoir 50% de la game, Kagaya sera tenu au courant avec le pseudo plus le rôle du tueur. Donc deux missions, 1, éliminer rapidement Kagaya, et 2, éliminer rapidement Nezuko, et que ça soit moi qui prenne le kill surtout. A côté de tout ça bien sûr, il va falloir s'infiltrer chez les gens, établir une stratégie, les trahir, tout ça tu connais. Donc on remonte et vous allez rapidement comprendre pourquoi cette game ne va pas se passer comme prévu. Allez, peut-être un troisième retour pour Muzan, en vrai. Bah attends, mais vous faites quoi là? Attends, mais qu'est-ce que... Salut. Mais attends, mais la roof, elle est même pas générée. Là-bas, il y a une roof, ce Gil, si tu veux. Salut Gil. Salut, mais il y a un problème là. Elle est bien là. Le train, il va popper n'importe où, ça va être le full bordel. Hein. Ah ouais, même la caverne, elle est là-bas. Eh oui, il va rajouter un petit peu... On va rajouter de la roof, hein, comme on peut, mais bon. Hein. Moi, j'ai un rôle pour la bagarre. Ah, plus de bouffe, yes. Moi, j'ai un rôle pour la bagarre aussi. Moi, j'adore mon rôle. Il y a aucun démon ici. Hein. On va juste attendre. On va attendre tranquillou, il n'y a pas trop de démons à côté, donc juste m'éloigner un petit peu. Bon, moi, ce sera une roof un peu différente, au moins, c'est l'avantage. En vrai, c'est ce qu'il faut se dire. Ça se trouve, ce sera une excellente game, on sait pas, hein, avec la roof comme ça. On sait jamais, hein, sur un malentendu. Au moins, on va pouvoir PVP, quoi. C'est l'avantage finalement. Hein. Infecter, ça prend 20 minutes. Attends, comment je fais? Vous pouvez infecter le joueur de votre choix, utiliser la commande DS Griff, puis faites un clic droit avec l'objet reçu sur le joueur de votre choix. L'infection dure 20 minutes. Il faut que je le fasse dans le dos de quelqu'un qui ne le voit pas. Oh, c'est super dur. J'arrive. Je vais montrer la petite griffe là, comme ça là. Parce que j'avais crash, j'ai attendu 5 minutes avant le message de Risto. Vas-y, bah quand tu veux, mon gars. Ok, bah c'est parti, allez. C'est parti, on y va. Mais t'en es sûr à 100% ou pas? Ouais, je pense en vrai. Ok. Bon, après, faut le trouver. Bon, je me rends rapidement compte que Eri a l'air d'avoir un rôle important dans cette partie, car il veut déjà tuer des démons. Les gens le pensent donc safe. Alors quoi de mieux que de détruire leur rêve en infectant Eri? C'est ce que je vais essayer de faire. Mais comme je dois faire un clic droit avec ma griffe sur ce dernier, il va falloir être discret, sans se faire voir par les autres. Et c'est clairement impossible. On va infecter Eri parce qu'il va aller tuer quelqu'un, donc on va infecter Eri, comme ça au moins il sera infiltré chez les démons. Ah, c'est fou, la personne bon. Que je cherche. Elle est pas au zéro quoi, il y a plein de... Attends, faut que je leur dise... Attends, 7 groupes, 5... Avant, on jouait genre avec la Nakimé et on faisait que de cache dès qu'on pouvait, mais maintenant les gens, j'ai l'impression qu'ils cachent plus dans les games. Bah si, enfin ça dépend quoi en vrai. Si, moi je suis au 0-0. Ah, il y a des games où c'est un massacre dans la cage et il y a d'autres games où la Nakimé, on la voit pas. Attends Gil. Ouais. J'ai un truc pour toi. C'est quoi? C'est un superbe diamant. Ah ouais? Ouais, tiens. Bah merci, c'est gentil. T'inquiète. Waouh. Streamer privilège quoi. Ok, merci mon gars. Eh ben vas-y, c'est bon en vrai la vie frère. Il y a trop de gens, je pars solo, c'est bon, ça m'a gonflé moi. Alors là, c'est clairement pas le move le plus smart, faut se le dire. Niveau discrétion, c'est pas trop ça. Ce joueur veut me parler en m'éloignant du centre. Il doit donc avoir une information intéressante. Le souci, c'est qu'il a fait ça devant tous les autres joueurs. Et donc tous les joueurs nous ont vu partir à deux. Et cette histoire de diamant, c'est quand même sacrément louche. Donc ça risque d'être compliqué. Bonjour. J'ai un truc à dire.
Qu'est-ce qu'il y a? T'as confiance en Akiri Obez? Ça va, ouais. Bah, vas-y, dis-moi vite, dis-moi vite. On va, dis-moi vite. Vraiment confiance. Bah, je veux bien te parler en privé 5 secondes. Ah, ok, bah, d'accord, vas-y. S'il te plaît. Vas-y, vas-y. Parce que sinon, ils vont savoir. Hein. J'ai pas envie de me faire cramer, je t'avoue. Je pense que tu peux me donner beaucoup d'infos ou que je peux t'en donner aussi beaucoup. C'est-à-dire? Des infos qui peuvent te rendre OP. C'est-à-dire? C'est-à-dire la Nezuko, je peux peut-être la trouver. Ah bon? J'ai une petite liste de rôles féminins si tu veux. Ah bon? Du coup, si tu me donnes la liste, je peux peut-être essayer de spotter Nezuko. Bah, c'est surtout. C'est quoi ta liste? Donne-moi ta liste. Ma liste de pseudo féminin? Ouais. J'ai Eri, Alex, Lores, Judetaz et Toxio. Et c'est dans un des deux, du coup. Oh, bah MDR, ça va être vite vu, hein, y en a que deux dans la liste. Finalement, je comprends pourquoi il a voulu me donner son information rapidement. Il est Doma et il connaît plein de joueurs qui ont un rôle féminin. En mettant en commun ses informations et ma liste, on peut donc très rapidement trouver Nezuko. C'est une très bonne chose. On arrive à une conclusion très rapide. Dans la liste, il n'y a que Toxio et Lores qui ont des rôles féminins. Donc l'un d'entre eux est Daki et l'autre est Nezuko. On a donc 50% de chance de tuer la bonne personne. Notre stratégie initiale part de là. Par contre, le fait qu'on soit parti à deux a forcément attiré des soupçons. Je pense que la plupart des joueurs ont compris ce qu'il se passait. Et on ne s'est visiblement pas trompé. Car des joueurs nous ont suivis. Il y a des gens. Arrête, arrête. Je crois qu'ils vont buter Olikos, faut qu'on y aille. Parlez de toi et il le focus. Ah bah voilà, putain. Bah là faut pas qu'on aille par là parce qu'ils sont 4. Salut, ça va? Ça va? Ah voilà, tu vois, regarde. Ah ouais, bah tu vois, je t'ai dit que c'était. Bah oui, je t'ai dit, bah oui, je te l'ai dit, mec, hein. Mais bien sûr, c'est cramé. Je suis avec vous, je suis avec vous. Ah ok, d'accord. C'est bien ce que je me disais. C'est bon, laisse-le, Eric, laisse-le. Il va trop vite, il va trop vite. Honnêtement, Gil, fallait pas le laisser, j'aurais pas donné la liste. Ouais, bon. Après là, je te dis honnêtement, en 1v1, je te fais. Tu me fais en 1v1 là. Ah, mais en 1v3, peut-être pas, mais. Ah ouais, tu me fais en 1v1. Ça, je suis pas certain, mon gars. Ah ouais, il est riche, ça me vient. Ça lag tellement par contre. Dans votre intérêt. Notre intérêt, mec, c'est de cramer, c'est de tuer tous ceux qui nous ont cramés. Attends, c'est bon, je vais le rattraper, t'inquiète. J'ai les mêmes effets que lui. GG. J'ai 53 gavels. Parfait. Bon bah voilà. Comme on le pensait, on a été cramé par cette action faite au milieu de tout le monde. C'est absolument certain que la quasi-totalité des joueurs doit être au courant maintenant. Donc, on va y aller plus franchement. On va simplement détruire tout le monde pour leur faire payer d'avoir un gros cerveau. Bon, je connais presque Nezuko, il faut que je dise. J'essaie d'aller au centre parce que le problème c'est que du coup, bah là... Attends, d'ailleurs, je suis cramé. Vas-y, vas-y, bah, je vais essayer d'aller voir si je peux croiser quelqu'un. Bon, bah, y aura pas d'infiltration, hein. Le move d'infecter Eri était plutôt pas mal parce que du coup, comme ça au moins, il sera 100% infecté, 100% avec nous. Ce sera parfait en vrai. Je vais rester ici, moi, je pense, hein. Parce que de toute façon, là, aller au zéro, ça. Est-ce que t'es vraiment cramé parce que t'as laissé Eri s'échapper? Mais est-ce qu'il va dévo? Parce qu'il est infecté. Ouais. Bien sûr qu'il va dévo, il le sait pas qu'il est en train de se faire infecter. Si, il a capté. De toute façon, j'ai dit au Kokoshibo, il m'a dit, ouais, je sais que t'es cramé. Il m'a dit donc, bon. Faut juste que je trouve Nezuko au moins. Bah, à la limite, si on peut trouver Gyutaro pour qu'il nous donne le pseudo Daki, on aura la Nezuko quoi. Ah bah, j'avoue, oui, bah oui. Pas con. Ça va, vous les gars? C'est bien. Salut. Bon, ouais. Salut. Je pense que. Non, arrête. Ok, bah, c'est bon, on est tous méchants alors, voilà, hop. Let's go! Mais y'a des gens qui sont venus à ce moment-là, pas possible. Ouais, c'est quoi? La map est catastrophique, hein. Mais quoi? Pourquoi il a pris un DP? Ah oui, c'est plutôt rapide. Bah oui, mais en même temps, y'a 20 000 personnes, la map elle est catastrophique quoi. Bah, elle sort d'où l'info qu'il est méchant? Bah, c'est que moi je suis méchant et je sais qu'il est pas avec moi quoi. Ah, let's go! C'est juste pour ça? Vas-y, tu peux être gentil s'il te plaît. Ouais. Ouais. Je comprends ça maintenant, mais je connais Nakimi. Vas-y, go. Je pars, l'arc joueur, s'il n'y a pas un arc joueur. Alors venez, faut que je teste un truc. Il y a flèche. Oh non! Bah, bonne vidéo, les mecs. Bah, c'est une très bonne vidéo. Voilà. Oh, let's go. Non, mais c'est surtout que c'était soit lui, soit un autre. Donc, même si c'était Daki, bah, il pourrait respawn, hein, en gros. Et voilà, mission accomplie. Nezuko est tué. Et je deviens complètement fumé. A partir de maintenant, j'aurai les effets résistance 1 et force 1 le jour, ainsi que résistance 2, vitesse 1 et force 1 la nuit. Autant vous dire qu'on va bien s'amuser. Bon, bah, écoute, vas-y, hein, bah. On va faire la game comme ça, hein, voilà. Bon, allez, go chercher le train, là. C'est n'importe quoi, les effets maintenant, là. C'est la méga fiesta. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a eu les boosts, vu que tu l'as tué. Bah, oui, du coup. Ouais, je les ai tous tués. C'est que j'étais à deux dates, t'as passé le reste. Ouais, bah, de toute façon, c'était soit le reste, soit toi, parce que le reste tu es Daki. Bien vu. Eh oui. Il m'a donné un autre save. Eh oui, du coup, merci à Kaza. Hein. Merci à Kaza qui m'a donné tous les pseudos des rôles féminins. Et vu qu'il restait que toi, bah. Et lui. C'est Doma qui a les pseudos des rôles féminins. Oui, Doma, pardon. Tiens. Vous avez pareil, j'avais enlevé le coup automatique et pourtant il y a tout. Lui, il faut me le laisser, les gars. Non, j'ai rien fait. Il joue un petit peu trop avec moi là.
Non, j'ai rien fait. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est pas, mais ouais, chaud. Bon, on fait quoi comme groupe en vrai? Il est où le train? Faut trouver le train là. 1h20 de jeu. La game elle va déjà finir. Ça m'extermine. Bonjour. Salut. Salut, Jean. Non, voilà. Non, on va aller dans le train finalement. En fait, derrière et devant, c'est. Ah. Au revoir. Ok. Ah, bah voilà, nickel. Bon, je sais même pas pourquoi on va dans le train en fait. Je sais pas, mais il y avait des gens. T'as speed toi, Aristo? Un petit Kaigaku là? Ouais, c'est ça que je suis en train de me dire là. Un petit Kaigaku là, en face de moi là. Ouais, peut-être, ouais. Parce que moi aussi j'ai speed et tu vas plus vite que moi donc. Ouais, non, mais oui, t'as raison. D'accord. Bah, du coup, t'es méchant du coup? Bah, non. Bah, si, du coup, en fait. Du coup. Bah, non, bah, vraiment pas. Bah, oui, du coup, t'es méchant vraiment, du coup. Vraiment pas. Hein. Bah, si. Bah, c'était Kaigaku, t'es méchant aussi. Bah, si, on fait obligatoirement un pacte avec lui donc, si. Tuez-le, il est Kaigaku, tuez-le. Tuez-le. Bon voilà, bon tant pis. Y'a Eric qui arrive. Y'a Eric derrière. Remboursez-moi l'infection, je suis pas infecté frère. Bah tu vas l'être. Bah non, attends un peu. Mais là, mais non, mais laisse-moi. Ah. Ils sont là, actuellement, on est tous. Toi aussi. Non. On est tous ensemble. Bon, voilà. Bon, on se retrouve où à quel coup? Bon, bah c'est LRI du coup qui a join. Au revoir. Pas donné de coup, hein. On se parlera après. Hop, tout ça, je suis déjà au 0-0 de toute façon. Hop, c'est la nuit. On va aller au 0-0. Je vais vous montrer la puissance de ce rôle, les gars. Vous allez voir. Bon, là, on vendait bien. Hein. Un stack de gap. Res 2, speed, force. Bon, c'est bon, allez. Il faut tuer Aristo en vrai. Hein. Je suis en train de réfléchir, mais là, il faut tuer Aristo parce que ça peut être la seule grosse menace dans la suite. Donc en vrai, si on le tue direct, au moins comme ça, on est refait. Allez, c'est parti. Ah, bien vu. Eh oui, il est Kaigaku, hein. On va aller au 0-0 tout pile, hein. C'est là-bas, mais bon, j'y suis aussi. Salut, mon ref. Allô? Salut, ça va? Ouais. Tuez-le. Oui, tuez-le, hein. Mais tu es Risto, en fait. Mais qui est Mizan, hein? Mais non. Il est Kaigaku. Allez, c'est bon, mais frère. Mizan, quand même. Ouais, mais... Oui, bien sûr. Mais t'es Mizan qui a tué Nezuko, quoi. Ouais, c'est vrai. Et toi, t'es Kaigaku. Je le savais. Ouais. Venez m'aider, hein. T'as m'aider les frères, hein. Pourquoi ils m'aident pas? Au revoir. C'est fini, frère. Problème là, les gars. Ouais. Oh. Vas-y. Ouais, tout seul, j'en pose des. Ah, ok, d'accord. Ah, mais. Les gars! Oui, mais c'est bon, vas-y, viens, mais l'autre, viens, mon gars là. C'est bon, moi je suis grave bien. Focus et Guild, si vous voulez. Vas-y, c'est bon, il est tombé. Non, justement, pardon, excuse-moi. Vas-y. Je suis désolé, hein. Boostez moi, vous voulez ou pas? Attends. Les copines, vous êtes où là? Je prends le kill, attends. Je prends le kill. Bon, vas-y, ouais. Mitsuri! Wouh! Resto nous a trahi. Je prends kill au moins que je me remette à 10 coeurs. Ah, t'es pas à 10 coeurs? Ouais, non, mais on quitte tank et moi une fois. Ok. Oh non, je me suis encore fait empoisonner, vas-y, bah. Mais excuse-moi, mais. T'inquiète, c'est normal. Vas-y, c'est mon gars. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ouais, tu peux. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ramène la balle. Ah, ouais? Attends, laisse-moi. Oh, ouais, sauvez-moi, les amis. Le soleil se lève. Merde, je vous regarde. C'est parti! Vas-y. Mais c'est quoi ce bordel là-haut? Les gars, pourquoi il y a 10 personnes? Non, c'est bon, on est 4. Non, c'est bon, on est 4. Oh, le bordel. Mais qu'est-ce que c'est? Non. Attends, fais gaffe, fais gaffe. Faut tuer Guy maintenant, hein. Il a pas réussi. Attends, là, je bouge le lance. Ouais, par contre, ouais. C'est compliqué là. Oh, mais laissez-moi sortir de cette eau, s'il vous plaît, les gars. C'est horrible. Azrak est avec eux. C'est bon, j'ai tué. Ah, j'ai tué un peu. C'est bien en tout cas. Franchement, Hop. Tempo. Bon, maintenant t'es mort là, mon gars. Sors de l'eau, en vrai. Ouais, c'est bon, je le tabasse. On sort de l'eau là. Ah, tu veux lui parler? C'est bon. Vas-y, c'est bon. Tempo. Non, t'inquiète, je peux pas mourir, t'inquiète. Tranquille. Oh, le bordel. Je sais pas, frère. Non, mon gars. Mais frère, il y a 90 minutes de monde. Mais oui, je sais pas ce qui se passe là. C'est qui qu'il faut taper là? Non, regarde. Ah non, ok, je sais pas. Bah ouais, mais. Aïe, on tente pas du coup. GG, Guild. GG. Ah ouais, on s'est fait. Il y avait 10 000 personnes qui étaient venues, mais je suis désolé, mais là. Ouais, GG. GG. On est obligé d'attaquer, hein, du coup, on n'a pas le choix parce que là. On enchaîne, hein, de toute façon. Ouais, le Kagaya, il a vu. Muzan, il a fait. Ok, bon. Et malheureusement, on a eu des petits problèmes. Ça va, mec, ça va? Je suis malaise là? Ouais, un petit peu. C'est possible. Vas-y, je t'en vois. Ah, mais d'accord. Oui, je suis infecté, frère. Oh, le chien. C'est pour ça que j'ai mis 40 ans à donner les infos de Muzan, tout ça. Hein.
juste de me donner le demain. Mais je suis sûr que j'ai des sliders 1 par contre, ça pue un peu la merde, non? Oui, t'as des sliders 1, je confirme. Ah ouais, ça marche pas trop, je crois. Ah putain. T'auras pas de kill là. À chaque fois tu me voles les kills hein, c'est chiant. Eh oui mais c'est bon, ça m'a gonflé cette histoire là. On s'est fait aggro par tout le monde, j'étais en mode allez, enfin, c'est bon. On va faire un groupe de 3 je pense en vrai. Hein. Point où on en est. Natsenpai il a utilisé sa danse du feu hein. Déjà. Bah il est encore sous danse du feu. Mais il a sûrement tué Oh non, j'ai plus ma shield. Ouais c'est possible de tuer Nezuko, ouais c'est possible. Oui mais on le sait ça. Oh oui on sait. Oui. Il est tout seul, il est tout seul. Oh excuse-moi. Pardon. Oh oui de l'eau. Oh non mais c'est horrible. Oula, pardon. Excuse-moi. Moi je prends cher quand même. Hein. Oh pas de soucis mon gars. Allez dans l'eau. Je suis pas descendu en dessous de 8 coeurs. Il va dans l'eau. C'est pas trop fumé ça là, quoi. Et maintenant on fume le celui en feu là. Vas-y. J'ai. Nickel. Il a tué le frère et la sœur. Oui j'ai tué le frère et la sœur, mais surtout que bah, Doma m'a donné des pseudos très rapidement dès le début de la game et du coup forcément c'était... Bah attends mais vas-y. Le truc c'est que vous avez donné le pseudo Nakime, j'ai retenu, j'ai sauté hein, direct, ah bah oui, côté le pauvre. C'est pas une lune supérieure, c'est non juste en fait il faut le non donner. Non, ouais, mais tu vas pas mon gars, tu vas pas. Non mais putain. C'est quoi attends, ce bordel kill là bon. Quelqu'un a pas des gaps un peu sur... Tiens, j'en ai pas des masses, mais en vrai, vas-y, tiens. Je te donnais la moitié de ce que j'ai donc. On a juste perdu 3 démons. Est-ce que je peux te donner ça? C'est quoi? Oh, c'est quoi, mec? Ah merde, c'est chez Tengu. Ah, non, je crois pas, non, du coup, non. Quoi? Ouais, non, pouvoirs, c'est des démons simples. Bon, bah, les gars, groupe de 3, hein, du coup. Hein. Mais bon. Et bah. Mais là, le problème, nos affis, tu veux qu'on se tape? Bon, bah, je vais aller sur nos affis. Vous êtes plus que 4, hein. Ouais. Wow! Mais c'est trop fort ton truc! Mais comment c'est trop fort? Non ouais ça a marché chez moi. Y'a plus trop de gens je veux dire. Vous êtes 4 hein, c'est tout. Je vais lui mettre un coup. Non. Il ramasse tous les kills hein. Oui c'est bon, au point où on en est de toute façon là. Bon. Il reste qui du coup? Au pire moi je peux partir tout seul si vous voulez, moi je m'en fous au pire. Vas-y quelqu'un, au pire juste quelqu'un avec moi et c'est fini, vas-y. Vas-y bah moi. Ah bah là je pense que là c'est gagné mon gars, regarde tous les démons qui restent hein. En fait le problème c'est surtout Ah mais vous êtes là. Bah voilà nickel. Parfait. Salut. On a que deux. Wouf. Ah derrière. Eh mais venez là. Oh mais... Les gars là. C'est la D. Attends, mais venez. Mais pas en ligne. Elle est aussi là. Ouais. Tu savais que c'est pas bon. Vas-y. Oh oui. Tu là. Il est en feu en permanent. On est en train de se taper déjà les gars. Tranquille. Je vais mourir. Ah ouais on là va les gars. T'inquiète je suis bien. Moi aussi là je suis très bien. Attends on va juste aller un petit peu dans l'eau 2 secondes. Petite torche humaine là hein. Hop 2 secondes. Putain, ouais, c'est gentil, mais parce qu'il y a ce que vous en fait. Bah y'a eux deux qui sont. Y'a eux deux. Ça va les gars c'est tout, hein. Ah non, on va dans l'eau, s'il te plaît. Je vous gêne. Si, dans l'eau. Attends, mais au revoir, on va se faire démonter là, mec. Viens, recule. Ouais, t'inquiète là. Tiens. Allez, finissez votre V3. Merci. Ah, ok, mon ça c'est pour la tête. Wow, oui, Swiss. Tiens, pas que ça existait ce truc. Ouais, c'est quand il est en dessous 5 coeurs. Bah, il devait être un demi-coeur, je pense, honnêtement. Non, j'ai un problème de pantalon là. T'as quelque chose à l'air. Oh là là. Hop. Attends mais il meurt. Il est parti où mon pote là? Bah il a easy 2 quoi les gars. Mais il est où mon pote là? Je t'ai fait abandonner. Donnez-moi juste un pantalon, moi je m'en fous, j'ai un V3 s'il faut. Tiens, hein. Tiens tu veux le mien? Je te donne mon froc. Tiens, c'est fou, hein. D'ailleurs. Eh oui, bah oui. Vous pouvez reculer s'il vous plaît. En vrai. Reculez, un V1. Allez, laissez-moi mettre le feu au moins les gars. En 3v1 là. Oh mais la là. Allez bourrez monsieur un moment là. Cours. Juste question, t'as la résidence? Oui, bien sûr. Bah, ouais, c'est pas mal ça. Oh la bulle, beau. C'est énorme en fait. Vas-y, regarde, on se regarde. Ouais, mais ça. Ah, mais mec, ce qu'on met là, ça va être compliqué. C'est bon, mec, hein. Il va pas, il est un vaisseau. Si, j'étais déjà dans le fight. Ok, bah, on fume. Ah, ouais, là, fumez demain, les gars. Trahison. Je suis pas demain. Bah, t'es à Casa alors. C'est à moi les pires fights. Ouais, ce matin, c'est bugué. C'est bon, c'est bon. Il dort. Tu veux pas revenir? Parce que j'étais bugué dans le. Non, peut-être que tu. Je crois que tu dors. Laisse-moi finir mon fight là. Vas-y hein. Casse-toi mon ref là. Eh c'est moi qui suis mort par lui hein. Attends là. Ah mais d'accord il est d'acquis. Ah mais oui. Attends là. Tu vas me tuer. À la mort. GG. Attends là.
Je vais te fumer hein. Bon vas-y mon gars. Bah, mes bottes vont de... mes bottes allez, vont brûler là. Qui va se jouer. Attention. Oh, c'est le dernier. Moi je suis le. Il va me tuer hein. L'infecté. J'ai. Aïe aïe aïe. J'ai. Et la moitié c'est notre Muzan. J'ai fait 15 kills, n'importe quoi. C'est tellement fumé, je peux 1v3 largement en fait. Avec le Muzan là, c'était n'importe quoi hein. 15 kills, c'est absolument n'importe quoi. J'ai détruit l'intégralité de la game. J'ai même réussi à 1v3 à la fin de la partie. Juste pour vous montrer à quel point ce rôle est surpuissant. C'est mon plus gros record de kills. Et je pense que c'est le plus gros record de kills de l'histoire de Demon Slayer même. En tout cas cette partie n'avait aucun sens. Mais je voulais quand même vous partager ce petit carnage. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin en tout cas. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter pour le référencement et de vous abonner. Ça me régalerait totalement. Si vous n'avez pas tout compris sur la game, je vous encourage à aller check également les autres vidéos que j'ai fait sur Demon Slayer. Il y en a pas mal où j'explique vraiment tout le mode de jeu. Là, c'était une vidéo un petit peu bonus. Et on se dit à très vite pour de nouvelles grosses parties. Et peut-être même dimanche, une vidéo exceptionnelle, qui sait ?